kolegice i kolege, dobar dan. Sastanak je završio, sada slijede izjave dvojice predsjednika nakon kojih nisu predviđena pitanja. Gospodin Milanović, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Macron, dame i gospodo, iznimna mi je čast, tako se uvijek počinje, ali meni uvijek je čast, ali ova čast je posebna, da sam ugostio, odnosno da je našu državu posjetio francuski predsjednik, gospodin Macron. Razgovarali smo prije svega o nabavci zrakoplova. To je velika stvar za Hrvatsku. I strateški, i financijski, ali i o zbivanjima u regiji, zbivanjima u svijetu, Ukrajini, Rusiji. To su sve stvari koje Francuska kao trenutno i očito zadugo jedina nuklearna sila u Europskoj uniji, stalna članica Vijeća sigurnosti, gleda na jedan način koji je malo širi od našega. Razgovore ocjenjujem odličnima. Iza ovog će slijediti strateška suradnja temeljem sporazuma, odnosno deklaracije koja će biti potpisana u vladi. I radujem se svemu ovome. Ovo je za Hrvatsku u nekim stvarima jedan mali novi početak. Naravno, ostajemo euroatlantska zemlja. Naša vojna suradnja sa Sjedinjenim Državama je bila i bit će. Ali ovo je u stvari jedna ozbiljna promjena kojoj se radujemo. Toliko od mene i prije nego što se zahvalim i prije nego što vam se obrati francuski predsjednik, ovi riboni narančasti su nastali jutro, su stvari kako čovjek kad stari onda ustaje prerano i onda u 5 sati ujutro nakon druge kave moja supruga kaže danas je dan borbe protiv nasilja nad ženama, ali svjetski dan 25. novembra. Tako da smo ovo iskrojili u pola sata i jako mi je drago što je francuski predsjednik se pridružio ovome. Hvala lijepo i gospodine predsjedniče. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour vos mots et merci de rappeler cette cause commune contre laquelle nous luttons et le gouvernement, en ce moment même, en France, annonce une série de mesures supplémentaires. Monsieur le président, merci beaucoup pour votre accueil, nos échanges et je suis extrêmement heureux et fier d'être, en effet, le premier président de la République française à mener une visite officielle dans votre pays depuis l'indépendance. C'était un peu une anomalie, je dois dire. Nous la réparons, mais elle symbolise aussi le lien d'amitié et la force de ce lien qui unit la Croatie et la France. En effet, il y a eu l'indépendance, puis il y a eu en 2013 la Croatie devenant alors le 28e État membre de l'Union européenne et un peuple croate choisissant d'adhérer à un projet commun avec force, détermination, pleinement conscience que l'adhésion à l'Union européenne était un projet de paix et de prospérité. Dans une région combien marquée, y compris dans l'histoire la plus récente, par les conflits et leur cortège de drames. Conscient également de la formidable solidarité qui existe entre les États membres d'une Europe unie. Nous continuons d'avancer sur ce chemin. Et cette visite officielle aujourd'hui, l'échange que nous avons eu ensemble, le partenariat que nous allons signer et qui a donné lieu à un très gros travail de nos ministres, va permettre de consacrer d'abord notre relation bilatérale sur le plan de la défense, avec les Rafales, mais aussi avec un programme de formation, avec un lien de gouvernement à gouvernement qui va permettre de consolider justement ce lien bilatéral contributeur d'une Europe de la défense et d'une Europe de la défense elle-même partie prenante de l'organisation transatlantique. Ensuite, nos deux pays vont continuer d'avancer sur les sujets de sécurité, d'immigration, d'économie, de recherche, autant de sujets qui jalonnent évidemment le chemin européen de la Croatie, Schengen et l'adhésion à l'euro, qui sont au cœur de vos projets et que nous soutenons. Et puis autant de projets communs qui vont également jalonner la présidence française de l'Union européenne. Nous avons eu l'occasion d'en parler ensemble et nous en avons parlé hier avec plusieurs membres du gouvernement. Travailler ensemble sur, évidemment, les sujets climatiques et énergétiques, sur les sujets technologiques et numériques. Travailler ensemble pour avoir une Europe plus souveraine, indépendante et résistante aux déstabilisations venant de l'extérieur, vous en avez rappelé quelques-unes. Et donc tous ces enjeux géopolitiques, économiques, sociaux, sanitaires, bien sûr, et climatiques
sont au cœur de ce partenariat et de ce que nous avons à faire ensemble au niveau de l'Union européenne. Je rappelle que la Croatie a eu la présidence de l'Union au premier semestre 2020. Nous prendrons cette présidence au premier semestre 2022. Il est important d'avoir cette coordination étroite au-delà du lien bilatéral. Enfin, nous l'avons évoqué, pour moi, ce lien que nous renforçons, ce dialogue stratégique, cette intimité que nous accroissons, est absolument essentiel pour les sujets qui nous attendent, en particulier pour les Balkans occidentaux. Je crois que l'un des sujets les plus déterminants pour la paix, la stabilité et cette indépendance stratégique de l'Union européenne, ce sera notre capacité à construire une nouvelle étape dans les Balkans occidentaux. Je sais votre engagement en la matière et je sais aussi combien notre lien renforcé permettra d'y œuvrer utilement. Voilà, Monsieur le Président, merci encore pour votre accueil, pour notre discussion. Cette visite, très clairement, marque une nouvelle étape, ouvre un nouveau chapitre de la relation bilatérale. Et qu'il s'agisse de culture, d'économie ou de défense, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Donc merci pour notre discussion et merci pour tout ce qu'il y a maintenant devant nous. Merci, Président. Merci, Zoran. Hvala obojici predsjednika i ovaj je završen program. Hvala.